Une fois que l'on a créé son site e-commerce, est-il possible d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche? Quand vous avez un site e-commerce, va se poser la question de la génération du trafic et de la visibilité. Parce que effectivement, si vous avez un site e-commerce, même s'il est très beau, magnifique, avec toutes les fonctionnalités dont on a besoin, si personne vient sur votre site, ben vous ferez peu de ventes. Donc à un moment donné, va se poser la question de la génération du trafic. Génération du trafic, il y a plein de moyens de générer du trafic. Ça peut être des campagnes publicitaires, que ce soit sur Google avec Google Ads, des campagnes publicitaires sur Facebook avec Facebook Ads. Bon, ce sont des recettes assez traditionnelles et utilisées dans le domaine de l'e-commerce. Ce qu'il faut voir au jour d'aujourd'hui, on est en train de vivre le rapprochement entre l'e-commerce et les réseaux sociaux. Ça veut dire que les réseaux sociaux, en fait, sont en train d'intégrer des fonctions d'e-commerce et de plus en plus, en fait, on va aller chercher ses clients sur les réseaux sociaux. Si on prend l'exemple de Facebook, depuis environ une année, propose de nouveaux services. Ils ont lancé Facebook Marketplace. On va dire que c'est l'équivalent du Bon Coin. C'est la possibilité de vendre en ligne via Facebook des produits, ça peut être du neuf ou de l'occasion, via la Marketplace de Facebook. Première chose. Autre chose, ils ont lancé plus récemment Facebook Shop. Facebook Shop, c'est vraiment, on va dire, l'arrivée de Facebook dans l'e-commerce. Donc, c'est vous donner la possibilité, en fait, de diffuser vos produits, donc votre catalogue produit, sur Facebook et de vendre en ligne. Alors, Facebook Shop, au jour d'aujourd'hui, en fait, va jusqu'au paiement sécurisé aux États-Unis, n'a pas encore lancé en Europe, mais on va voir qu'on peut, en fait, connecter son site avec Facebook Shop. Par exemple, si vous avez fait un site Shopify, il y a juste une fonctionnalité activée et vous pouvez diffuser votre catalogue en créant votre boutique Facebook Shop à partir de votre catalogue Shopify sans avoir à ressaisir, à recréer les fiches produits. Et après, ce qui est intéressant, c'est que dans l'univers Facebook, il y a également Instagram. Et donc, notamment quand on parle des plus jeunes qui partagent beaucoup d'images via Instagram, c'est leur réseau social qu'ils préfèrent, et bien du coup, en fait, vos fiches produits vont être diffusées sur Instagram et vous allez du coup pouvoir intégrer un bouton acheter sur la fiche produit Instagram et du coup ramener le client sur la fiche produit sur votre site e-commerce pour concrétiser l'acte de vente. Donc ça, c'est très très intéressant, c'est de se dire que de plus en plus, en fait, les outils sont interconnectés. Et à partir d'un outil plateforme comme Shopify, vous pouvez du coup aller vendre en ligne, vendre sur des marketplaces, vendre pourquoi pas sur Amazon, il y a un connecteur Amazon, vendre sur Cdiscount, mais aussi être acteur de votre promotion via les réseaux sociaux et donner la possibilité à vos clients de partager des looks, de partager des produits. Et s'ils trouvent un produit sympa, parce que imaginons que vous soyez une boutique de vêtements, vous avez créé un look, vous avez un chapeau, une veste, une paire de chaussures, un sac à main. Le sac à main est sympa, plaît à la personne clique, il y a un bouton, un petit caddie, hop, et vous la ramenez sur votre site pour concrétiser la vente sur votre site internet. Donc, vraiment ce mariage qui est en train de se passer entre les réseaux sociaux et l'e-commerce vont permettre du coup, à moindre coût, d'aller toucher des clients grâce aux réseaux sociaux.